pire que le vide. La première ville où vous arriverez est une fosse à merde appelée Bartertown. Maintenant, si les sables ne vous ont pas engloutis en chemin, vous mourrez tous là-bas. Chaque jour, que Dieu fait, je me lève et je dois penser à une raison de ne pas le faire, tu m'entends? Chaque jour! Et tu sais pourquoi je résiste? Ça va te faire marrer, tu sais pourquoi je résiste? Le job! Le job n'attend pas, voilà la raison! N'arrête pas, te fais pas arrêter, reste au sommet assez longtemps pour qu'on t'exploite à mort, c'est le mot d'ordre de tous les côtés. Personne veut que j'arrête. Les flics veulent me coffrer, les Colombiens veulent mes filières, et ma femme, elle veut mon fric. Tu peux pas mourir, connard. T'es prêt? D'accord. À trois! Trois. Un, deux, trois! Parce qu'il est... Plutôt que de nous dire de fermer nos gueules, on peut avoir un moment de silence. Non. Non, je voulais pas que tu sois mêlé à quoi que ce soit. Et en plus, j'avais appris que t'allais épouser un autre que moi. J'ai laissé courir. J'ai perdu quelqu'un de très proche, c'est pour ça que je suis parti. C'est pour ça que je me retrouve sans argent, sans vêtements, sans maison. Je suis juste parti. Et où j'allais, c'était bien le cadet de mes soucis. Nous sommes partenaires, nous sommes une équipe. Ce qui t'arrive à toi, ça m'arrive à moi. Après toutes les merdes qu'on a vécues ensemble, tu comprends pas? Tu comprends pas? Que tu sois un esprit de salut ou un esprit damné, et que tu apportes avec toi les brises du ciel ou les souffles de l'enfer, que tes intentions soient mauvaises ou charitables, je veux te parler. Je vous fais mes excuses. Et je vous assure que je suis disposé à coopérer avec tout ce que vous jugerez nécessaire d'entreprendre pour résoudre notre problème, avec équité et discrétion. Annabelle, elle a le pain de me voler $22,000 alors que je partais pour la mort, que vous alliez me couper les deux mains. Elle a osé me faire ça à moi. Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté. Tu crois pas que je suis prêt à tout pour qu'on me ramène mon fils? Je m'arracherai un bras si ça pouvait le faire revenir. Je veux récupérer mon fils. Kate, je t'en prie. Jamais je t'aimerais le coup si t'es pas avec moi. Mais oui, bien sûr, vous montez sur votre engin en tournant le dos exprès à cette photo, comme si vous cherchiez à le fuir, ou comme si vous vous punissiez. Ton gendre est en train de pisser le sang, oui. Je crois qu'on ferait mieux de le sortir vite fait d'ici, bah, il pleut et... Ouais, merde, il pleut. Je suis trop vieux pour ces conneries, moi aussi. C'est Johnny qui va y passer, si tu ne te pointes pas. Alors, c'est oui? On a perdu sa langue et ses couilles. Vous avez peur du scandale. Je veux dire, au cas où votre fils se serait suicidé. Et... Voyez-vous, d'une certaine façon, je pense que c'est ce qui t'arrive. Si vous appelez patriote celui qui refuse d'être taxé sans être représenté, alors je le suis en fait. Les colonies américaines doivent-elles se gouverner en toute indépendance? Je crois qu'elles le peuvent et qu'elles le doivent. Je sais pas trop, je me suis planté en faisant ce film. Je fais que parler pendant 2 heures, je tire sur personne. Mais qu'est-ce qui m'a pris? J'entends ce que les femmes pensent. D'accord, vous ne me croyez pas, alors essayons autre chose. Alors, choisissez un chiffre, n'importe lequel. On a déjà embarqué plusieurs de tes copains dans le panier à salade. Dis-moi comment tu t'appelles et pourquoi tu as fait ça, et tu auras droit à des circonstances atténuantes. Peut-être que vous croyez les aimer. Ah, mais moi, ce que je crois, c'est que vous n'aimez pas le sexe. Je dois reconnaître que vous êtes un maître, un véritable Gengis Khan, quand il s'agit de massacrer vos semblables. Vous êtes un guerrier, Monsieur Cortez. Un tueur qui survit à tout. Et je peux remercier le gilet pare-balles parce que j'ai bien cru y rester. Il en avait rien à foutre des victimes. Tous est mort parce que tu as voulu te mêler de mes affaires. Putain, toi, t'as volé absolument tout ce que j'avais. Tu m'as tout pris. Et regarde-toi, un clochard. Tu me fais carrément pitié. À cause de ça, je peux même pas te tuer. Tu m'as aussi volé ce plaisir. J'ai eu pire. On a mis 20 minutes avant d'arriver au terminal. C'est bouché sur tes pistes d'atterrissage. Hein? Faux. Tu peux m'identifier si on te met en tôle ou si on te fait témoigner. Et je peux te rendre l'appareil. On s'empêche l'un l'autre de parler, c'est équilibré et juste. Mais cette vidéo, elle t'offre la possibilité de me faire chanter à toi ou à quiconque la voit ou pirate ton compte internet. Je connais Sandy depuis toute petite, c'est une fille géniale. Mais les vœux de fidélité et le mariage, c'est pas trop son truc, contrairement à toi et moi. On trafiquait beaucoup d'opium dans le pays pour préparer un énorme coup d'état militaire qui devait éventuellement avoir lieu 10 ans plus tard. Tout ça a plus ou moins été déclassifié. Enfin, plus ou moins.